Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Roblox. Dans ce jeu, donc un nouveau mode, on va devoir fuir un gorille qui va essayer de nous tabasser. Hein. Donc gare au gorille, comme dirait Georges Brassens, gare au gorille. Et ben voilà, c'est pareil, on va devoir fuir un gorille. Alors, la partie est dans 9 secondes, vous allez voir ça. On peut se cacher, hein, regardez, je peux faire ça, me cacher dans un buisson. Bien entendu, le buisson est trop court, mais si le buisson est assez, machin. Voilà, alors on est dans une zone résidentielle. Ce que je vais faire, c'est aller dans une maison. Alors, l'autre maison a l'air pas trop mal. Je vais aller dans l'autre maison, dans celle-là. Je saute par-dessus la barrière. On va aller se cacher là-dedans. Gorilla. Oh merde, le gorille est relâché. Alors là, je peux pas me cacher ici. Je peux pas me cacher ici. Ouais, c'est risqué ici quand même. Hein. Je vais me barrer. Oh putain, ils ont mis des pièges. Ah, mais c'est moi qui peux poser des pièges à gorille. Ah, c'est pas mal ça. Bah, oh bah, le gorille, il a quitté la partie. 9-9-9-9-9. Ah, ça fait chier quoi. Le gorille a quitté la partie quoi. Allez, prochaine partie dans 30 secondes. Alors, je vais pas grimper aux lianes, je suis pas Tarzan. Ça c'est la salle d'attente avant de démarrer la partie. C'est parti, allez. Ah bah on se retrouve sur la même map mais l'ennemi. Alors il y a une poubelle, c'est pas trop mal ça la poubelle quand même. Est-ce qu'on peut se cacher dedans? Non, par contre on peut passer par dessus ou passer par là. Ok, ils ont relâché le gorille. Allez, vous voyez, je peux aller dans ce buisson mais je peux pas bien me cacher correctement. Ça. Alors, est-ce qu'on peut se cacher dans un arbre? Non, notre seule façon de fuir, c'est là. Alors, infection, d'accord. Donc là, si un gorille tape un autre joueur, le joueur devient un gorille. Regardez, le gorille est là-bas. Ah, faut qu'on trouve des clés aussi. Bordel. Ah ouais. Bon, je crois qu'on n'aura pas les clés à mon avis. Hein. Regardez, il y a trois gorilles. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, putain les gorilles. Non, du coup ce que je vais faire c'est essayer de pénétrer dans la maison par là. On va perdre à mon avis.
Ah, je sais pas, personne n'a gagné, on dirait. Ça, je vois gorille en bas. Je sais pas. Bon, le jeu redémarre dans pas longtemps. Ok, alors dans 3 minutes 30, en fait on a 1 minute pour chercher des clés en fait. Ça va être chaud. Déjà ce que je peux faire c'est positionner les pièges, tu vois. Ce que je vais faire c'est foutre une trappe ici. Hop, comme ça il s'est pris deux pièges dans la gueule, c'était bolos. Les pièges ne me touchent pas, tu vois, déjà. Je sais pas pourquoi il y en a, il l'a mis vers le truc, parce que les gorilles passent sur les poubelles. Ah, c'est à 3 minutes 30 que ça se déclenche, d'accord, je vois, j'ai compris. Que ça se déclenche pour qu'on cherche les clés. Donc apparemment il n'y a qu'un gorille sur cette map, ça c'est cool, c'est du survival. Il n'y a pas de contamination, d'infection, tout ça de gorille à la con. Je crois pas. Hein. Ok. Non! Putain, je me suis fait démonter par un gorille quoi. Ah là là, c'est con, il n'y avait qu'un gorille sur la map, c'était large. Suffisant quoi. Je me suis fait démonter de ouf quoi. Find the key. Ah bah là je vais attendre longtemps à mon avis. Hein. Bon, vous avez un peu compris le principe. Hein. Faudrait que j'incarne un gorille sur la prochaine map pour que ce soit un peu plus sympa. Le jeu est pas trop mal, mais bon, après, le principe est assez simple. Je trouve qu'ils auraient dû mettre plus d'ambiance de savane, de jungle. Tu vois, des trucs un peu rigolos, quoi. Genre les gorilles qui soient dans les arbres et qui puissent observer les humains en bas et qui puissent descendre d'un seul coup, quoi, en fait. Ça aurait été plus rigolo que foutre des gorilles en ville. C'est bof bof, hein, les gorilles en ville. Ou faire que le gorille puisse grimper en haut de la maison, tu vois, qu'il puisse se surprendre, en fait. Ça manque de surprise. Le gorille, il peut que marcher, c'est un peu bête, quoi. J'ai envie d'arrêter là et de reprendre, mais bon. Parce que 2 minutes à vous parler comme ça, c'est chiant en fait. Là, je peux rien faire du tout en fait. Je peux pas revenir dans la partie, ça, c'est des trucs qui sont chiants. Hein. Franchement, c'est chiant, chiant. Ouais, je crois que je vais arrêter là sinon. J'aurais bien aimé vous montrer le gorille. Bon, écoutez, je vais essayer. Ouais, attends, ce que moi je vais faire. Si je fais ça, ouais, je redémarre le jeu. Vous allez vite voir. Parce que je veux pas attendre 2 minutes. La vidéo va pas durer longtemps. Voilà. Ok, jeune game, yes, survival. Bon, du coup, là, le démarrage, le cherchage de clé va débuter. Tac. Find the key. Ah, il y a une clé ici. Ok. Il n'y a pas de clé ici. Pas de clé ici. Pas de clé ici. Pas de clé ici. On va aller voir dans l'autre maison s'il y a des clés. Ah, c'est plus facile de, vous voyez, de redémarrer le jeu des fois que de. Et voilà. Exit and unlock. C'est où la porte? Ah, elle est là. D'accord, il y a la porte pour s'échapper. Voilà. Je vous aurais montré au moins la fin d'un truc. Bon, en espérant que tout le monde sorte.
Ça a été vite fait en fait, c'est super rapide. Putain, tout à l'heure on a eu du mal. Bon, allez, dépêchez-vous là. J'ai pas que ça à faire, comme dirait l'autre. Écoute, il y en a qui vont pas trouver, du coup ce que je fais, c'est que je redémarre encore le jeu. J'ai pas le choix, hein. Il y a des gens, ils sont trop cons pour comprendre comment fonctionne le jeu. C'est malheureux, hein, quand même, hein. Oh putain, alors là c'est pire. Allez, je redémarre encore le jeu, et si je trouve pas de partie, j'arrête. Moi je veux juste vous montrer la forme gorille. Vous avez vu à peu près à quoi ressemblait le gorille, mais moi je veux vous montrer. Quand on incarne le gorille, il faudra que je trouve un truc. Voilà. Escape gorille. Ah bah ça c'est notre map. Bon, on va s'arrêter là-dessus, tant pis. Hein. Vous comprenez un peu le principe quand on a un gorille. D'accord, donc là je dois chercher des clés. Il n'y a qu'un gorille, ça va. Hein, parce qu'il y en a plusieurs. C'est là qu'il y a des soucis hein, quand ils traînent en groupe. C'est là qu'il y a toujours des soucis avec les gorilles. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs. Ok, il n'y a rien dans cette salle. Putain, il détruit les tables et tout, quoi, c'est rigolo ça. Voilà, il m'a buté. Je vous dis bye bye et au revoir!